Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit avec un petit haul AliExpress et je me suis dit, je ne veux pas montrer dans un studio vlog, je veux faire un petit haul séparé parce que je veux montrer bien les images de tout ce que j'ai pris. Parce que la plupart de mes produits que je les utilise pour faire du junk journal, journaling, planner, tout ce qui c'est, cette côté planner, je les prends sur AliExpress. Du coup, hop, là. C'est bon, dans cette pochette on a tout pris. Je vais essayer de cacher l'adresse, comme ça ça se voit pas. Là j'ai pris deux lœufs comme ça, des papillons, et on va voir tout de suite. Déjà moi tout le temps je garde cette côté aussi parce que on peut faire dans les junk journal plein de petites tags ou des fermetures, des choses comme ça. Là on a plein de papillons différentes. J'ai pris pour l'instant que deux couleurs différentes, mais je veux prendre parce qu'il y avait plusieurs couleurs. Je vais prendre le reste aussi petit à petit. J'aime beaucoup parce que maintenant sur AliExpress, on reçoit vraiment la commande en moins de 10 jours. Du coup, ça c'est vraiment génial. J'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. En tout cas, du coup, ils ont... Il y a plein de sites qui font ça. Du coup, maintenant, ils ont choisi de faire la livraison rapide aussi. Ça, c'est vraiment très bien. Et la livraison, en plus de ça, elle est gratuite. C'est le même. On a plusieurs fois le même papillon. Je vais essayer de mettre tous les modèles. Celui-là, il est déjà. Celui-là, il est déjà. Celui-là, non. Là, on va récupérer un parce que ça ne se voit pas bien. Celui-là, il est déjà. Celui-là, il est déjà. Celui-là, il est déjà. Celui-là aussi. Du coup, on a deux fois le même papillon. Celui-là, c'est bon, il est là. Voilà, comme ça, je vous mets vraiment tout. Les papillons. Celui-là, non, il n'est pas. Celui-là, non, il n'est pas. Celui-là, il n'est pas. Et celui-là, il est déjà. Deux fois le même papillon. Voilà, on a tout ça comme papillon. J'espère que ça se voit bien parce que c'est un peu difficile. J'ai la lumière aussi artificielle, mais... J'ai pas le choix. J'aime beaucoup les papillons comme ça parce qu'ils sont imprimés sur du papier transparent. Et il reste que le papillon. Et c'est une vraiment très 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 bonne qualité. C'est pas la première fois que j'achète sur cette boutique. Et je suis pas du tout déçue. Jamais, jamais, jamais. Je veux le mettre direct ici dans une boîte qui vient de la boutique Temu. J'ai passé encore une commande et j'ai pris... Ouh. Plein, plein de boîtes comme ça parce qu'elles sont super pratiques pour ranger tous les die cuts et tout le reste. Là, on a sur des coloris jaune, orangé. Parce que je me suis dit que ça va être magnifique pour cette période. En tout cas, je sais que je vais utiliser beaucoup sur, dans cette période. Les coloris comme ça. Ça, je vais mettre direct dans la boîte. Voilà, celui-là, il est déjà. Celui-là aussi, il est déjà. Je vais essayer de vous montrer vraiment tout. Regardez-moi, comme c'est trop, trop, trop beau. Voilà, c'est vraiment trop 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 bon. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Tous les papillons comme ça. J'aime beaucoup et je vais mettre tout dans une boîte comme ça. Et voilà, et je marque ici papillon et comme ça, j'ai tout rangé dans la boîte. Ça, je garde pour l'utiliser. Après, ici, ah, il y a un papillon qui s'est échappé. Après, sur cette boutique, j'ai pris plusieurs. Pareil, c'est une boutique que moi, j'adore. Je commande vraiment souvent sur cette boutique aussi. Il y a deux, trois boutiques qui, moi, je les trouve magnifiques. N'hésitez pas à regarder. Je vous mets le lien dans la barre de description. Je vais essayer de vous mettre le lien de chaque article. Mais en tout cas, le lien de la boutique. Comme ça, vous pouvez regarder sur la boutique parce qu'il y en a vraiment plein. Plein, plein de choses super sympas et pas chères du tout. C'est moins de 2 euros chaque fois
les paquets comme ça. Là, toujours des papillons. Ici, pareil, j'ai pris 4 couleurs différentes. Je pense qu'il y en avait 6 au total, si je ne raconte pas des bêtises. Moi, j'ai pris 4. Toujours, par exemple, cette carte comme ça. Je garde. Parce que moi, je peux utiliser facile à l'intérieur faire du journaling. Là, je peux cacher avec une petite morceau de papier. Pareil, ici, je garde juste les papillons. Et là, pareil, ici, dans le coin, je peux mettre quelque chose pour ne pas avoir les mots en chinois. Et garder que le mot butterfly ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, on peut utiliser. Super. On va voir tout de suite tous les... je vais essayer de vous mettre. Pour vous montrer un peu mieux. Donc on a celui-là avec les champignons que je trouve trop bon. Je vais prendre une papier blanche et je vais mettre sur une papier blanche. Voilà. On a des très jolis papillons. Toujours on a deux exactement pareil. Oh, c'est trop bon. Franchement, c'est trop bon. Celui-là, tout qu'est-ce que j'aime. Papillons, des livres et des fleurs. Il est parfait, il est parfait. Celui-là aussi, il est super bon. Oh, j'adore. Je pense que je vais commander encore un kit de chaque. Parce qu'ici, on n'a pas beaucoup de modèles différents. Comme ça, j'ai plaisir parce que c'est trop bon. Toujours comme ça, une guirlande avec les champignons. Après, une ici avec un appareil photo. J'espère que ça se voit bien. Ça, par exemple, je mets dans une autre boîte où je mets les papillons comme ça avec les fleurs. Les papillons simples comme ça, je les mets dans la même boîte avec le reste des papillons. Et les petites fleurs, voilà comme c'est bon, des magnifiques couleurs. Et les petites fleurs comme ça, je les mets dans une boîte à part. Je fais tout le temps comme ça. Celui-là, il s'est collé un de l'autre. Voilà, celui-là avec des champignons toujours. Et le dernier, c'est celui-là. Trop bon. Après, on a celui-là sur des coloris orange. Voilà pour celui-là. Maintenant, celui-là, toujours. Ça, la carte, on peut garder. Regardez-moi comme c'est bon. C'est magnifique. Et je vous montre ça tout de suite. On va prendre le papier. Pareil, des très beaux coloris.
Mais le dernier, c'est celui-là. Trop bon. Toujours trop bon. Voilà. Maintenant, on a celui-là. Ah, celui-là, je n'ai pas montré. Celui-là, plutôt des couleurs un peu violet comme ça. Toujours une très jolie carte. On peut même couper ici si vous voulez pas garder tout. Mais c'est tellement joli les cartes comme ça aussi. Je vais essayer de zoomer comme ça. Voilà. Bon, okay, déjà. On a ça parce que j'avais plus de batterie, du coup je savais plus qu'est-ce que j'ai montré ou pas. On a ça et ça, très 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 beau ces paquets aussi. Franchement, tous les quatre sont sublimes, 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 sublimes. Et je vais prendre le reste. Je pense qu'il y en avait 6 au total ou 8, je sais plus exactement. Mais je veux regarder, je veux prendre le reste aussi parce qu'ils sont vraiment magnifiques, magnifiques, magnifiques. Et si on est comme ça, bien zoomé, on va voir les deux lots comme ça. Toujours, il y a plusieurs lots avec plusieurs couleurs différentes. Moi, j'ai pris les jaunes orangés et les rouges comme ça parce que je me suis dit toujours qu'ils sont bien pour cette période. Pour ça, j'ai pris... Hop. Toujours, cette carton, on peut garder et réutiliser. Par exemple, on peut utiliser juste comme ça, si vous ne voulez pas utiliser cette côté. Ou même, cette côté, on peut découper et utiliser. Faire des jolies choses dans le junk journal. Toujours deux de chaque. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Après, on a celui-là. Toujours le carton comme ça, on peut utiliser.
Et le dernier, c'est un grand paquet comme ça, avec plein de papiers différents. Ça, je vais mettre dans une boîte tout de suite. Des fois, je les garde dans des boîtes comme ça aussi. Hop. On va faire comme ça. C'est des bonbons qu'on trouve chez Action. Et quand les enfants ils finissent la boîte, moi je garde la boîte parce qu'on peut mettre plein de choses à l'intérieur. Et celui-là, c'est une boîte avec plein de papillons. Voilà. Des papillons et des fées. Et je vais mettre toutes les petites fées comme ça, séparées. Ils viennent de la même boutique. Et là, j'ai plein de fleurs. Toujours la même boutique, des couleurs différentes. Voilà, pour ça, je pense que je veux garder toujours les fleurs comme ça. Toutes les fleurs dans la même boîte. Je pense que je vais mettre les feuillages aussi avec les fruits là, avec aussi. Et comme ça, parce que si j'utilise une boîte par chaque couleur, je pense que j'ai besoin de trop de boîtes. J'arrive plus après. Maintenant, je vous montre cette paquet. À l'intérieur, on a tout ça. Il y avait des modèles différents, mais c'était le seul que j'ai beaucoup aimé. Du coup, j'ai pris celui-là. Il vient comme ça dans une enveloppe au calque. Il est en calque, l'enveloppe. On a 1200 pièces à l'intérieur. Et si on va ouvrir... Ah, oui, il faut, c'est mieux. Ça aussi, l'enveloppe, je veux garder et je veux réutiliser. Toujours deux de chaque. Et là, on a des transparentes. C'est des cadres comme ça. Toujours deux de chaque. Des magnifiques papiers, franchement. J'aime beaucoup. Et là, je vois qu'on a des stickers. Toujours un peu transparente. Toujours deux de chaque. Je vais essayer de mettre plusieurs sur le papier ici et je vous montre après. Ou plutôt sur le blanc. Par contre, les stickers comme ça sont un peu transparentes. Du coup, si on va coller sur un papier qui a des motifs derrière, on va voir les motifs à travers les stickers aussi. Les stickers comme ça sont bien d'utiliser sur du papier sans motif blanc ou craft, n'importe, mais qui n'a pas de petits points, qui n'a pas de lignes, qui n'a rien du tout. Voilà les filles, ça c'est tout. Franchement, on a de quoi faire avec cette kit aussi. C'est un très grand kit.
Celui-là, par contre, je veux mettre tout dans l'enveloppe pour l'instant parce que j'ai plus de boîtes et je ne veux pas les mélanger. Comme ça, je peux les utiliser après quand j'ai les boîtes. Je peux les mettre dans une boîte aussi. Et je mets toute la collection dans la même boîte et je marque sur la boîte le nom de la collection. Comme ça, je sais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est tout les filles. N'hésitez pas à regarder sur la page du vendeur parce que, comme j'ai précisé, il y a plein de choses. Je suis sûre que vous trouvez là-bas votre bonheur. J'attends, comme d'habitude, que vous me disiez si c'est lequel que vous aimez plus, si vous êtes comme moi avec les papillons, les fleurs et tout ça, ou pas du tout, ou si vous êtes plutôt avec les choses vintage, des choses comme ça. Et comme ça, je connais un peu plus vos goûts. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.